En 2020, 685 000 femmes sont mortes du cancer du sein dans le monde, selon l'OMS. L'organisation déplore que les femmes se rendent à l'hôpital à un stade trop avancé. Au Burundi, le Bujumbura Pathology Center est spécialisé dans le dépistage. Cette année, en 2021, jusqu'au mois de juin, nous avons recensé 67 cas, dont 47 cas pathologiques, soit 70% de la population déjà traitée. Plus tôt le diagnostic est réalisé et moins il y a de risques que la maladie soit fatale. Bon, c'est l'apparition d'un petit nodule au niveau du sein. Après le dépistage et la confirmation par l'anatomopathologie, nous demandons de faire un bilan, ce que nous appelons un bilan d'extension de la maladie. Il y a le bilan d'extension qui va nous permettre de savoir si la maladie est localisée ou alors s'il est déjà étendu à distance, ce qu'on appelle les métastases. Si la maladie est localisée, l'approche thérapeutique sera de faire d'abord une réunion de concertation multidisciplinaire parce que c'est une maladie qui fait appel à beaucoup d'autres spécialités. Après des campagnes de sensibilisation, des femmes sont allées se faire dépister à l'occasion de la journée mondiale du cancer du sein du 19 octobre. Je me suis faite dépister du cancer du sein et le résultat a été négatif, mais je sais que le cancer existe. Le centre privé travaille en partenariat avec le secteur de santé publique pour aider les hôpitaux à détecter les lésions précancéreuses.